Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On part tout de suite en Inde où le gouvernement a approuvé un plan historique de 197 milliards de roupies, ce qui équivaut à peu près à 2,2 milliards d'euros, qui a pour but eh bien, de transformer l'Inde en un hub international de l'hydrogène vert. L'idée, c'est de produire 5 millions de tonnes à la fin de la décennie. Alors l'Inde, il faut savoir qu'ils sont les troisièmes émetteur mondial de gaz à effet de serre. Donc, il souhaiterait devenir neutre au niveau carbone à l'horizon 2070, ce qui est un peu plus tard que la Chine ou les États-Unis qui sont respectivement pour 2060 et 2050, nous dit l'article de siècledigital.fr. Alors, l'Inde veut ainsi accroître de 125 gigawatts sa production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et il faut savoir que bien l'Inde disposait déjà en 2022 de 166 gigawatts. Alors cela permettra d'économiser 1 trillion de roupies sur les importations de combustibles fossiles d'ici 2030 à l'Inde. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.